Nous avons organisé aujourd'hui la deuxième édition du Sportech Summit by MDJS. C'est un événement qui vise à réunir les écosystèmes du sport, de l'innovation et de l'investissement. Donc nous avons eu la chance d'avoir un panel avec d'éminents experts de l'innovation, de la technologie et du sport aussi, pour parler d'un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur, étant donné l'approche de la Coupe du Monde 2030, qui est la technologie au service de la fan experience, donc l'expérience des fans lors des grandes compétitions internationales. Comment est-ce que la technologie pourrait venir améliorer et faciliter cette expérience? S'en est suivi la présentation de six startups sportives, donc ce que nous appelons des sportech, que nous avons présélectionnés pour pouvoir leur permettre de présenter leurs projets pendant cet événement devant l'ensemble de l'assistance, mais qui ont surtout été retenus pour intégrer un programme d'accélération. Donc c'est un programme d'accompagnement entrepreneurial de 6 mois, pendant lesquels nous allons les aider à aller de l'avant, à améliorer leurs projets, pour qu'au bout des 6 mois, nous les présentions devant un panel d'investisseurs qui, espérons-le, leur permettra de lever des fonds et de s'internationaliser, d'augmenter leur volume de vente pour pouvoir devenir des grandes startups internationales made in Morocco, inchallah. Donc si la MDJS se positionne comme partenaire institutionnel et comme accompagnateur de ce projet SportTech, c'est bien entendu pour aller dans la lignée de toute notre stratégie et de notre ADN qui est de faire gagner le sport. De par la nature en fait de toute notre activité, je rappelle que l'ensemble des bénéfices récoltés par la MDJS vont dans le Fonds National de Développement du Sport. Via aussi toute notre stratégie de mécénat, de sponsoring, de parrainage, nous avons dans notre ADN cette mission de supporter le sport. Et forcément, qui dit supporter le sport dit aussi suivre, être à l'affût de toutes les évolutions technologiques, toutes les innovations qui peuvent accompagner le sport, qui peuvent profiter au sport, aux sportifs, à la pratique du sport. Donc il était naturel qu'un projet comme le SportTech Summit nous intéresse. C'est ce qui explique aussi donc, pourquoi on est là aussi pour cette deuxième édition. Et nous avons hâte de voir comment vont se développer les startups qui seront retenues. Et j'en profite aussi pour lancer un message que si vous avez des projets de développement, d'innovation liés au sport, sachez que ces initiatives existent, sachez que vous aurez la possibilité également de concourir pour les prochaines éditions. Et voilà, donc ne laissez pas vos ambitions et votre imagination. Mettez le progrès au centre de vos réflexions et vous trouverez des institutions pour vous soutenir.